dream is to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine. Eh bien bonjour à toutes et à toutes, c'est Wizzy, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle je vais vous faire un top des sites pour, chez lesquels on peut se fournir pour tout ce qui est logiciel de mining qui touche à la crypto-monnaie. A tout de suite. Donc on se retrouve sur votre navigateur web. Donc la vidéo va se diviser en deux grandes parties. Donc la première partie ce sera un magasin on va dire général, même si on va voir un magasin qui... peut-être un peu plus axé sur l'informatique. Et un autre, et les trois autres, trois de fin, ce sera vraiment axé sur la crypto, où il y aura même deux sites, les deux derniers, où ce sera vraiment des sites spéciaux, mais qui seront à réserver à des personnes qui souhaitent vraiment investir dans la crypto. Et malheureusement, il y aura un site que je vous ai déjà présenté dans la précédente vidéo, qui est actuellement en maintenance. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc tout de suite on commence avec le fameux site incontournable, pardon, Amazon. Donc Amazon, franchement, je crois que c'est les premiers chez qui je me suis servi. Donc j'ai même commandé déjà des tests d'ordinateur dessus. Donc vous voyez que là je suis en train de regarder pas mal pour les alimentations et notamment pour les RAM parce que j'ai besoin de RAM. Bref, donc il y a vraiment des prix hyper hyper intéressants, notamment lors des ventes flash. Parce que des fois, j'avais déjà acheté un SSD dessus, donc c'était celui-là. Donc en gros, c'était un SSD, au lieu de 17€, il le faisait à 8€. Bref, c'est un truc de taré pendant Noël. Quelquefois, ils vous font des ventes de taré. Donc Amazon, tout le monde connaît, du coup, on va pas s'attarder dessus. Maintenant, on va commencer avec des sites, on va plutôt aller sur Cdiscount. Donc Cdiscount, c'est aussi un excellent site, un peu moins performant qu'Amazon, mais vous trouvez des promos de folie. Par exemple, si par exemple, je tape, je sais pas moi, une SSD 120Go, vous voyez que là, quelquefois, ça reste un peu plus cher, mais vous voyez qu'on a un PNY alors qu'à 17€, alors qu'ici, on a, entre guillemets, une sous-marque, même si c'est les mêmes performances ou à quelques trucs près. Vous voyez que là, on a un peu une sous-marque à 18€, et là, on a quand même un PNY au même prix. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des prix super intéressants sur Cdiscount. Donc bien sûr, vous pouvez trouver tout type de cartes, vous pouvez trouver tous vos trucs, mais après, je vous suis en fin de vidéo, je vous montrerai un site hyper, hyper, hyper intéressant, mais assez, on va dire, houleux, parce qu'il peut vous rediriger vers des sites marchands pas très honnêtes. Donc ça, on verra ça en fin de vidéo. Ensuite, là, on a Top Achat, donc c'est aussi un excellent, c'est l'un des meilleurs pour moi, pas pour, par exemple, pour la crypto, mais pour le mining, mais plus pour le matériel informatique au moins grande échelle. Donc, par exemple, je sais que la GTX 1060, elle est vraiment pas chère sur ce site-là. Ah, mais ils la font plus. Alors, on va essayer la 1060. Vous voyez que là, elles sont vraiment pas très chères. Donc moi je me rappelle quand elle était sortie, je l'avais payé 399€. La MSI Gaming X, celle-là, maintenant elle est plus qu'à 270€, donc elle a bien bien baissé. Donc aussi, si vous voulez faire du gaming léger, moi pour ma config, pour l'ordinateur que je prête, la MSI 1160, elle est largement suffisante. Donc en plus c'est une GTX, mais elle a un peu l'architecture, ils ont essayé de reproduire sur une GTX l'architecture d'une RTX. Donc ça sort un peu du contexte de la vidéo, mais c'est très important de vous le dire. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a un simulateur de... c'est pas du vrai ray tracing, mais elle fait à peu près la même chose. Bon, c'est beaucoup plus bâclé, on va dire, les rendus, mais elle fait quand même un excellent travail. Par exemple, je sais que sur le jeu World of Tanks fait par WorldGaming.net, donc je ne suis pas sponsorisé dans la vidéo, hein, mais par exemple, dans le jeu World of Tanks, ils ont réussi à développer en gros l'équivalent de ray tracing, mais sur des cartes GTX ou AMD Radeon qui ne possède pas ray tracing. Et par exemple la GTX, elle explose les scores comparé à une 2060, quoi. Donc peut-être même mieux qu'une 1080 qui est quand même de 11 Go, je crois, la 1080. Donc une 1060 pour la crypto, de toute façon je ferai un top au moins deux vidéos ou trois vidéos par an
Donc je vais essayer d'en faire une cette semaine-là pour début 2020. Ensuite, vers juin, juillet, faire un top pour mi-2020. Et enfin, en fin 2020, une troisième vidéo des top cartographiques pour la crypto en 2020. Donc je le ferai à différents stades de l'année. Pourquoi? Parce que les cartes évoluent très vite en fonction de la crypto. Donc bien sûr, s'il y a un bouleversement des cartographiques au cours de l'année, même si la vidéo, ça fait 2 semaines que je l'ai sortie, je la ressortirai le plus rapidement possible pour pouvoir vous rediriger le mieux possible. Donc on retourne sur la vidéo et on va passer sur LDLC. Alors LDLC.com, l'atout, c'est que si vous êtes un peu réticent sur les sites marchands en ligne, en gros vous mettez votre carte bleue et vous recevez votre colis chez vous en point de relais, bah, LDLC tout simplement il possède pas mal, ouais, y a vraiment pas mal de boutiques dans la France. Ouais, mais bah, bon, moi je prends celle-là, vu que j'habite sur Avignon. Là, celle-là, celle qui est ici. Donc, ouais, moi je prends celle de Mistral 7. Mais par exemple, je sais que elle a vraiment pas mal, quoi. Par exemple, si je zoome un peu, vous voyez que là, il y en a d'un coup qui pop un peu plus. Par exemple, je sais que sur Paris, il y en a pas mal. Bah, 3, 4. Ouais, donc vraiment, LDLC, super boutique. Alors, je suis pas là pour critiquer, pour savoir qui est le meilleur, qui est le pire site, mais je trouve LDLC à mon goût un peu cher. Pourquoi? Exemple, par exemple celui-là, le SSD, le PNY, alors on va prendre. Là je prends l'exemple des SSD, hein, mais on va prendre en marque. Voyons, est-ce qu'il y a du PNY? Voyons. Non. Donc qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Bon, on va aller chez Crucial tout simplement. On va prendre un 120 gigas, voilà 35, le Crucial B450, je crois qu'il est, à part si je me trompe, c'est vraiment la loose, mais vous voyez que là 21 euros et sur la DLC 35 euros, il y a vraiment des fois des grosses grosses différences de prix. Ou aussi sur la GTX, on va reprendre la 1160, désolé, mais bon, je l'aime trop cette carte. J'ai vraiment été impressionné par cette carte. Vous voyez que là, elle est à 294 euros. Donc là, c'est juste des comparatifs. Hein. Peut-être qu'après, ils vont changer du tout au tout. Vous voyez que là, encore, il n'y a pas trop d'écart. 295. Il y a quand même. Ouais, elle est même moins, un peu plus chère sur Amazon. Mais il y a vraiment des fois où. Là, vous voyez simplement que sur Top Achat, 272 euros, elle est vraiment moins chère. Donc c'est pour ça, en fin de vidéo, je me répète, mais je vous montrerai bien un site extrêmement bien, mais un peu houleux. Ensuite, nous allons rentrer dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, pour les expliquer brièvement, en gros, c'est là des sites spécialisés dans la crypto qui ne vendent que du logiciel pour miner, du hardware pour miner, donc des composants. Donc là, malheureusement, je suis vraiment hyper dégoûté pour la vidéo, surtout pour le premier, mais bon, c'est un peu fait exprès, c'est logique. Il faut une bonne, apparemment une grosse grosse maintenance sur la boutique du mineur.com. Donc, avant, je pense qu'ils vont. Enfin, je pense très fortement qu'ils vont faire une refonte du site total, parce qu'il y a quand même un gros gros coup de mou niveau gestion des stocks. De toute façon, j'avais déjà expliqué de ça dans la précédente vidéo. Par contre, dans les composants de son rig. Parce que, quand même, tout ce qui est design du site n'était pas vraiment au top. Et aussi la gestion des stocks. Comme je l'ai dit, mais bon, j'espère que ça va bien changer pour la boutique du mineur, parce que ça reste quand même. Elle est quand même pas vraiment beaucoup beaucoup connue, mais elle est extrêmement bien. En plus, vous pouvez payer en bitcoins, il y avait déjà moins 5%, donc c'est super bien ça. Ensuite, là on va passer dans les deux sites. Donc c'est, en fait, ça s'appelle Bitman et Along Mining, pardon. En fait, ce sont des sites pour les ASICs. Alors, qu'est-ce qu'un ASICS? Alors là, je m'avance un peu sur mes sujets de vidéo, mais c'est important, quand je vais forcément faire une première vidéo où survoler ce composant-là. En gros, un ASICS, c'est des logiciels, c'est des composants, en fait, des super ordinateurs qui ne sont faits que pour miner. Donc Bitman est bien sûr russe, on ne s'étonne pas. Voilà. Alors, ce sont des composants qui coûtent cher. Je sais que les plus chers peuvent aller jusqu'à de 5 000 euros, 5 000, 6 000. Donc, vous voyez que là, 40 Tera cher, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Mais on voit le prix, 831 euros. Alors, là, je crois que vous recevez tout chez vous. Donc, là, vous voyez aussi 1 800 euros. Donc, là, ça explose en prix. Mais vous voyez que la puissance de calcul, elle est
énorme. Alors, l'atout d'ASDIX, c'est que si vous voulez faire une ferme professionnelle, c'est l'idéal. Par exemple, je sais qu'au Mexique, vu qu'ils sont à fond dans les bitcoins, qui je pense très fortement, après je ne suis pas trader, mais qui va remplacer qui va devenir la première monnaie du pays en Mexique, parce qu'elle les aide vraiment à se développer. Bon, revenons à la vidéo. Par exemple, les AT mineurs sont extrêmement utilisés au Mexique pour faire des fermes à bitcoins. Donc, par exemple, la ASIC, j'en ai jamais eu, je n'ai jamais configuré personnellement. Alors, je sais que tout se fait par du localhost. En gros, c'est-à-dire, c'est comme votre box, quoi. Vous tapez, par exemple, quand vous configurez votre ASIC, vous le branchez, par exemple, et je sais qu'il y a comme votre box, quoi. C'est ça, c'est ça. Vous devez taper un truc dans le localhost, en gros, son IP local, et vous configurez tout sur votre navigateur web. Donc, je crois qu'il n'y a que sur Chrome ou Mozilla, mais je crois qu'il faut utiliser Chrome. Bref, de toute façon, tout est expliqué dans les manuels qui vous sont donnés. Donc, très grosse puissance de calcul, mais très cher. Et aussi, c'est très houleux. Par exemple, c'est-à-dire, vous pouvez l'acheter 1800 euros, mais il peut être pas du tout rentable. En gros, quand vous achetez un ASDX, soit vous prenez un professionnel ou un conseiller qui vous le fait, soit vous savez ce que vous faites. Hein. Vous prenez pas un ASDX pour commencer, quoi. Je vous conseille toujours de commencer par des cartes graphiques. Pourquoi? Parce qu'un ASDX, il faut savoir quelle crypto-monnaie précisément on a en tête. Par exemple, sur les S17, je sais qu'il faut surtout pas miner du Bitcoin ou faut miner de l'Ethereum. Ou je sais, dans tout cas, faut pas miner du Bitcoin sur les S17, mais je sais pas vraiment quelle crypto miner. Donc là, ça peut être très bien, comme je vais me tromper, mais autant ça peut être de l'Ethereum ou du Zcash ou du Dolorizen, j'en sais rien du tout. Mais je sais qu'il faut pas miner de. C'est rare en fait qui ont des ASICs qui minent du Bitcoin brut. Ensuite, on a des Along Miners qu'on n'en parle jamais, mais qui sont l'un des plus populaires. Alors, les Along Miners, vous pouvez payer, je crois, seulement en Bitcoins. Mais en gros, c'est l'un des ASICs les plus puissants dans sa catégorie. Le seul bémol, c'est que vous devez être en liste d'attente parce qu'ils sont en permanence en rupture de stock. Par exemple, je sais qu'il faut passer par une file d'attente. Vous allez attendre quelquefois jusqu'à 2, même 3 mois pour qu'ensuite ils puissent vous envoyer une demande par mail si vous confirmez le fait que vous voulez acheter un drag mineur. Et ensuite, vous allez pouvoir passer au paiement et la livraison, je crois qu'elle met environ entre 3 et 4 semaines de livraison tellement il y a de demandes sur SASX. Alors, personne n'en parle, vous voyez très peu de vidéos sur ça, mais c'est l'un des plus populaires et l'un des plus puissants dans sa catégorie. Et l'un des plus rentables. Bon, par contre, je crois que le prix il est exorbitant. Je crois qu'on est autour des 2000 euros, 3000 euros unité. Mais c'est l'un des plus performants parce que vous voyez que là, c'est autour des 25 degrés. Et là, vous prenez celui-là. Les températures, c'est. Ouais, ça peut monter jusqu'à 40 degrés. Alors que lui, pardon, il monte à autour des 25 degrés. Donc c'est vraiment pas mal. Donc par contre, hein, je voulais oublier de le préciser, mais le problème des ASIC, c'est que ça consomme énormément. Par exemple, 1400 watts, c'est l'équivalent de Cirix 580. Donc Cirix 580, je crois que ça consomme autour des 1450 watts. Donc vous voyez que ça consomme encore plus que ces cartes graphiques, et sachant que il y en a, ils en aligne des racks de dizaines, voire des centaines, des centaines, des centaines. Alors, le site que je vous parlais plus tôt dans la vidéo, ça s'appelle Le Dénicheur. Alors, je crois que j'ai jamais vraiment. Je regarde pour faire des comparatifs de prix. Par exemple, là, je devais faire une configuration d'ordinateur à un collègue et je l'ai beaucoup utilisé. Donc, par exemple, là, on a vu précisément avant que les GTX 1660 on a vu au plus bas à 1060 euros, 1070 euros, pardon. Donc, là, par exemple, Le Dénicheur, il va trier, il va voir tous les sites qui font les moins chers. Donc là, vous voyez que par exemple, là, on a 219, 209 euros. Donc là, vous voyez qu'ensuite, matériel.net, c'est vraiment un super, super site pour acheter aussi. Donc là, vous voulez pas mieux, voilà, on va vite fait le survoler. Vous voyez que là, la Inoue 3D, la 1160, elle est à 209 euros. Ou alors, voyons, une 1080, 1082, c'est quelque part. On fait. Voilà, vous voyez, bon, voilà, vous voyez, faire attention aussi à ce qu'on achète, mais vous voyez, à 400 euros, donc vraiment, vraiment, vraiment pas cher sur Amazon. Attendez, vous voyez que là, après, voilà, le problème c'est que des fois, ce qu'il y a sur le site, c'est que Amazon.fr, il n'est pas ne possède pas ce truc-là, enfin cet article-là. Donc, voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Donc, je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur un top des cartes graphiques pour miner en 2020.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Vous avez mon serveur Discord dans la description. Bien sûr, tous les liens, seulement des sites que j'ai présentés, plus le site ledénicheur.com seront dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Oasis. À plus.